Le consultant a un projet d'accompagnement à la certification. Donc, il y a une répartition de tâches avec des deadlines. Et bien sûr aussi, ce qu'on fait régulièrement, c'est ce qu'on appelle une réunion de performance. Les difficultés qu'aujourd'hui j'ai eues pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est principalement sortir de cette zone de confort parce que j'ai passé le salariat. Donc, qu'est-ce qu'on te dit que la stabilité, il te dit, ok, je vais sortir, est-ce que ça va réussir, ça va pas réussir. Donc, ça, c'est une première difficulté à une vision royale qui a dit clairement que aujourd'hui, l'avenir, c'est l'entrepreneuriat. Les difficultés qu'aujourd'hui j'ai eues pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est principalement sortir de cette zone de confort parce que j'ai passé le salariat. Donc, qu'est-ce qu'on te dit que la stabilité, il te dit, ok, je vais sortir, est-ce que ça va réussir, ça va pas réussir. Donc, ça, c'est une première difficulté. J'étais présidente de plusieurs associations qui militaient pour l'accompagnement entrepreneurial et j'avais commencé à avoir cette connaissance sur le marché. On ouvre une antenne à Tanger prochainement pour être très près des industriels et pour être près aussi de l'expansion et de l'accélération industrielle que reconnaît pas que la région de Tanger mais toute la région du Nord.